Et ma pauvre Marie. sur Cyberpunk, ouais, en plus, il faudrait que je joue. Il y a eu la nouvelle extension qui est arrivée et tout. Si tu as le temps, tu pourrais faire une démo d'Ember en SP? Oh, Ember en SP? Non, je connais pas Oniyama. Je n'ai jamais entraîné avec Ember en SP. Je connais la version Ember, tu sais, la version chill là. J'ai jamais joué en SP, mon ref. Comment on pourrait jouer une Ember en SP? Tu pourrais profiter du strip armure, tu pourrais profiter. Le 4 il pue, je pense. Le 4 pue, mais bon, si tu tues des ennemis avec le 4 et t'as le mode augmente, t'as les orbes d'énergie en plus. Le buff de feu du 1, il serait bien, mais est-ce qu'il serait bien contre les corpus? Je pense pas. Avec terreur, on teste? T'as essayé les nouveaux fragments Archonte? Non, pas encore, Cyril. Pas encore. J'étais pas quelqu'un de très assidu au niveau des shards d'Archon. Oh, bah attendez! Attendez, on va faire une petite. On va voir un petit peu Ember. Si c'est possible de faire un truc avec Terreur, comme tu dis, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, on va partir. Je vais quand même prendre des shards, on va les fusionner, on va tester un truc. Parce que les gars, j'ai vu plein de trucs avec Sarine. Ça a l'air vraiment violent, les gars. Je vais essayer d'en faire deux taux forgés. Ça doit être assez cool. Ouais, elle est pas folle, c'est ce que j'imagine, Mecha. Ça doit pas être foufou. Qu'est-ce qu'on pourrait. On jouerait pas l'augmente du 1, je pense pas. L'augmente du 1 qui permettrait d'ajouter du feu sur le premier pouvoir. Je mettrais juste. Je pense que les gens ils voudraient garder le 2, je pense. Je pense que les gens ils veulent garder le 2 pour le voilà avec le troisième pouvoir pour faire le strip armure. Je pense que c'est le 1 qu'il faut élimine. Hein. C'est le 1. J'ai déjà un build. Le build nuke. Allez, vas-y, on va tester sur le build nuke. Ok. Terreur. On l'alimente vite fait. Boue thermique. Bastide. Un, 80, 50, ça c'est bon. Ça on met. Putain, j'avais tout qui était descendu là, c'est terrible. Ok, on infuse sur le premier pouvoir du coup, et c'était le build de C. Allez, on va aller voir. Ah ouais, vraiment, Max? Tu as montré hier Ellie déjà? Non, ça a été patché hier, Squeezie. Et bon, bah, vraisemblablement, c'était un bug. Hein. T'as déjà le 3 pour strip, ouais. Sur Sarine et Gaier. J'ai vu des vidéos avec Sarine, avec la new shard, ça envoie du lourd. Ouais, Sarine avec la new shard, les gars, c'est abusé. C'est abusé, les gars. Bon, allez sur Circulus. Allez, j'ai quoi comme arme? J'ai un vermisplisseur. Prydos, Wyrm. Bon allez vas-y. Oh, c'est juste pour le test. Tu conseilles quoi pour le mode Riven Brahma? Multishot crit damage principalement. Et après la troisième stat, si t'as de la fire rate c'est bien. Si t'as du crit chance c'est bien. T'as plein de stats qui peuvent être très intéressantes. Mais multishot crit damage principalement poto. Attends j'ai enlevé. Si je le refais, ça strip à 100%. Donc si on le fait deux fois, ça strip 100%. Ah mais attendez! Pourquoi j'ai mis terreur? Si je le mets deux fois, ça strip 100%. J'ai fait une connerie là. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai deux fois le même pouvoir en réalité là. J'ai deux fois. Je crois que c'est plutôt Rhino hein, qu'il faudrait que je mette. Hein. Ce serait plutôt Rhino, les gars. Rhino ou Grendel, les gars, parce que ça bouffe beaucoup d'énergie.
Ça bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ce genre de build. Je vais plutôt mettre, Grendel, les gars. Juste pour l'apport en énergie. Ouais, nourriche. Ouais. C'est pas nourriche, je vais taper Grendel. C'est ravitaillement. Ah, il faut que je réalimente encore. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les Vénépines, j'en ai plus besoin. Les fléaux de couleur veau, j'en ai plus besoin. On va mettre ça. Runes de moelle, même si j'en ai beaucoup, vaut mieux les garder. Ça, on en a plus besoin. Des packs polymères. Bon, le reste, on s'en fout. Ravitaillement sur le premier pouvoir et du coup sur le nuke. Ok. Je vais vite fait remontrer les builds, les gars, juste parce que... En fait, le truc, c'est que je vais pas commencer du moment où je me suis trompé, tu vois. Donc le build, c'est celui-là, les gars. C'est un build nuke basique, hein. 230 de range, 130 d'efficacité, 139 de puissance. Il y a mieux augmenté qui va réaugmenter ma puissance derrière. Le mode augmente qui permet de sortir pas mal d'orbes d'énergie. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser de plus intéressant? Je pense que je vais juste utiliser le Nucor, les gars. On va partir du principe, c'est un Bambi, il joue. Je vais prendre le Verglas ici. Version Grignir. Bon, là, c'est pas des Grignir, mais c'est pas grave. C'est tellement fort qu'on s'en fout. Je devrais changer l'antifaction normalement, mais on le change pas systématiquement, c'est pas grave. Allez, on va aller voir. Tu vas être full tout le temps. Ouais, mais ça consomme beaucoup d'énergie comme build, ça. Pour faire l'event d'assassinat en style pass. Bah en corrosif, Atwell, juste en corrosif et tu mets l'antifaction murmure, tout simplement. Je peux te montrer hein, parce que je l'ai utilisé le tauride. Je peux te le montrer après. Je mets Grendel. J'ai pas beaucoup d'énergie pour le moment, attendez juste monter un peu mon énergie. Voilà, je suis à fond. Là, j'active mon 2. Je le fais deux fois, ça strip l'armure de tout le monde. Et je fais mon 4. Je sais pas à quel point tu peux rester dans la mission comme ça. Oh, ça tue tout, hein, les gars. Hein. Il faut juste lancer deux fois le troisième pouvoir. Je réactive Grendel. Là je suis à fond tout le temps. Je pense que si j'ai deux chars de jaune, ça se passe encore mieux. Et il y a un petit temps, vous voyez, il y a un léger temps de cast des pouvoirs. Oh, ça marche, hein. Bon, c'est pas foufou, il y a mieux. T'as largement mieux, mais on va dire ça marche, tu vois. Il n'y a pas besoin de terreur parce qu'il y a déjà le troisième pouvoir. Faut juste le lancer deux fois le troisième pouvoir et il strip 100%. Et ça reste très efficace contre les infestés hein, qui n'aiment pas le feu. Hein. Bon après j'ai vraiment le sentiment qu'il y a mieux hein, parce que là on spamme beaucoup de pouvoir. Hein. On spamme vraiment beaucoup de pouvoir. Hein. Et les Eximus ils s'en foutent un peu du météore. Hein.
Attends, si je mets juste... Ah ouais, d'accord. Attendez, il y a un problème, là. En fait, juste le troisième pouvoir, il tue ? Juste le troisième pouvoir, il tue, les gars. C'est incroyable. C'est même pas le 4, en fait, qui fait vraiment des dégâts. Regardez, je mets juste le troisième pouvoir. Ah, peut-être pas tous. Mais la plupart des mobs, ils meurent avec juste le 3. Bonjour à Chetou, comment tu vas mon Chetou? Bonjour à Whippy. Bon, ça joue, hein. Défensivement, le 2, tu vois, j'ai... Je vasarin très très peu. Regarde, je laisse me tirer dessus. Le deuxième pouvoir suffit pour ta survivabilité, en vrai. Hein. Puis le 3, tu sais, il fait un renversement en plus, donc... il fait du contrôle. Raikum, merci à toi. J'avais t'arrête quelques jours et je suis revenu depuis la majuscule et je prends toujours autant de plaisir à voir des lives, des vidéos, continue à t'es adorable. De qualité qualitative, panda love. Merci mon Raikum, merci pour ton soutien, merci pour ta sympathie, merci pour tout. T'es adorable du fond du cœur, merci à toi pour ton soutien mon frérot. Et bon retour parmi nous, si t'as des questions ou quoi, n'hésite pas, on a beaucoup discuté de la mage là aujourd'hui. N'hésite vraiment pas. Tu vas avoir beaucoup de ressources là. Et hey, Raikum, si t'as pas vu ce qui se passe là, va interagir avec la gargouille dans le dojo. Hein. Va voir sa boutique, tu vas kiffer, hein, poteau. Il y a un event en cours là actuellement. Bon, il y a juste les Eximus. Les Eximus, ils s'en foutent un peu de tes pouvoirs, tu vois. Le météore, il fait presque zéro damage aux Eximus, les gars. Mais bon, ça marche, les gars. Regardez en termes de survivabilité et tout ça. C'est plutôt ok, hein. Avec le 3, tu les renverses. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, tiens? J'arrive pas à le strip avec ce pouvoir-là. Tu peux pas strip... Ah, il a réussi à me tuer. Ouais, l'acolyte... Pour l'acolyte, pas ouf, les potes. Merci à Evolver, merci à toi, merci infiniment pour ton 4e mois d'abonnement. C'est beaucoup trop gentil, merci. L'acolyte, il m'a dérouillé, les gars. Il m'a dérouillé. Lui, il a dit, moi, tes pouvoirs, j'en ai rien à foutre. Je peux pas le strip et les météores, ils lui font pas de dégâts. Merci à toi pour le 4e mois. Joyeuse fête à toi aussi. À vous tous, les copains. Joyeuse fête.